sur l'Aisne. De l'infanterie vient d'occuper un avant-poste. Ravitaillement en essence d'une section de chars, un instant retiré de la bataille qui les a marqués de projectiles et d'éclats. Une section de canons anti-chars à l'affût. Allemand va exploser au sol. Exaspéré par les réactions suscitées dans le monde, par la sauvagerie, la furie de dévastation de ces aviateurs, la propagande allemande a déclenché un bombardement d'odieux et nouveaux mensonges. Nous martyrisons les prisonniers allemands, paraît-il, et plus particulièrement les aviateurs. Voici, sur le terrain même des opérations et depuis peu capturés, des équipages d'avions et d'automitrailleuses.
en Norvège. À minuit, dans le jour polaire, les Alliés détruisent des blockhaus allemands à Bjerwijk. Le général Bétoire, à bord d'un navire britannique, dirige les opérations. 1h du matin. Premier débarquement sous le feu des derniers mitrailleurs ennemis. Des légionnaires et des chars gagnent la rive pour réduire les derniers îlots de résistance et opérer la jonction avec nos chasseurs alpins qui, depuis plusieurs jours du haut des cimes, prenaient l'ennemi de flanc. Les légionnaires progressent. À l'avant-plan, un de nos chars, nettoyant les nids de mitrailleuses installés derrière les rocs de la plage. Deux heures. Une nouvelle action d'artillerie est entreprise. Les derniers Allemands se sont enfuis vers la Suède. On va débarquer le gros des troupes et tout le matériel d'occupation. Les premiers prisonniers sont interrogés. L'hôpital installé à la hâte par les nôtres. Un de nos soldats y voisine avec un blessé allemand. Début d'organisation du terrain conquis. Matériel et troupes vont prendre position.
ce même fjord, dès le début des opérations en Norvège, la flotte allemande perdit plusieurs de ses destroyers et transports de troupes. Suite à cette prise de Bjerwijk, l'assaut final a pu être lancé contre Narvik, que les troupes alliées ont enlevé le 30 mai.